Nouvelle. Mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Matin là, bien bonnet. Diverses unités dans la police là déployées zélio et prend direction Badelma, La Saline, Tokyo, Akri de Saline, almené yon opération manche longue dans l'idée pour traquer bandi. Jusqu'à présent, en pile coup de balle a chanté, en pile moun a posé tête yo question, comment ça y est puisque yo a tant yo réponse qui positif nan men la police. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'pral gen chance ba ou détail comment opération ça a déroulé nan moment là. Pour me bien dire, histoire bandi ak la police nan pays d'Haïti, c'est bagay qui grave. Eh bien hier soir, yon gros incident passé côté bandi ak zam arrivé, kembe yo policier et coupé tête li. Bagay la triste, elle fait un pile moun réfléchi. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, m'pral expliquer comment bandi fait arriver couper tête policier ça. En tout cas, bagaille vraiment grave. Ça qu'a passé Badelma, c'est pas bagaille qui piti. Eh bien matin là, avant diverses unités dans la police te débarqué en Badelma, eh bien, gayon patrouille DCPR qui t'a passé dans zone Delma 6 qui t'a fait checkpoint. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, bandi dans Delma 6 ouvert cartouche sous machine. Bagaille pas douce même. Mais grâce soit rendue à Dieu, policier ont été sortis sains et saufs. Même Jean yon maman gen l'amour pour petite li. Eh bien c'est comme ça. Malgré tout, les États-Unis gon l'amour, yo pas qu'à contrôler pour nous. Mesdames, mademoiselles et messieurs, parlementaires américains, yo vraiment à plaider pour nous comme nous connaissons. Dans moment là, dossier qu'on a vraiment à faire actualité, à ravager pays d'Haïti. Eh bien, parlementaires, yo vraiment à mettre pression sous administration Biden, nan, pour le dégager, le presser, presser, pour vacciner tout haïtien. Décision ça qui poussait en pile moun nan moment à réfléchir. Est-ce que parlementaire yo gon plan pour nous puisque nous connaît dossier vaccin AstraZeneca, commencé by gros tête fait mal dans le monde entier. Nan kasa, qui décision? Ministère Santé publique ak gouvernement haïtien après. Président Jovenel Moïse fait fly. Matin là, nan yon note que secrétaire d'État a publié. Eh bien, président Jovenel Moïse prend direction pour pays Turquie. Comme nous songeons, nan jou qui sont passé au là, te gen note qui te mette d'ailleurs pour faire connaître que CCR gen 45 jours pour le dégager, pour le finir avec dossier constitution. Et nan moment là, insécurité a vraiment ap fè rage dans pays a. Et puis président lui-même monte avion, li met kol d'ailleurs. Qui ça président Jovenel Moïse a régler qui sérieux comme ça dans pays Turquie? Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, m'pral l'expliquer. Moi, invitez-vous, râle tiches ba ou, chita confortablement, fou qu'on s'en mis info pa ou, rentre la caillou, m'pral ba ou, tout tripotay sa yo, nan bon timamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'abzou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou à patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. C'est amis Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, juste avant que nous développer ensemble de informations que nous portons pour vous, nous gagnons un petit compte. En partie, cric crac. Qui ça qui gen sik et puis malgré tout bagay li pa jam douce? Qui ça qui gen sik et puis malgré tout bagay li pa jam douce? Pas hésiter à quitter élément de réponse pour là dans commentaire là, ça fait nous plaisir en pile mais sauf que ça me connaît en pile fanatique pour le casser tête yo et déjà prêt pour ensemble de réponses que n'a porté yo et m'a prêt tout pour big up chaque fanatique qui te baille un si bel commentaire. Jean Ken te annoncé eh bien, diverses unités spécialisées en dedans PNH là, déployées zèlio au niveau de Badelma, nan l'idée pour yon capable traquer bandi yon opération qui si spéciale kap déroulé. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, policiers sa yon ouvert koyo nan zone La Saline, Tokyo, rue de Saline, nan l'idée pour yon capable ramasser bandi. Eh bien, situation ça qui fait un pile coup de zam ap détourner nan zone métropolitaine. Donc, m'conseille aussi
fait zone ça fait en pile prudence parce que en pile coup de balle a chanté entre bandi ak la police en pile mon a posé tête yo question nan moment comment ça a déroulé est-ce que la police gétan ramassé bandi et puis mesdames mademoiselles et messieurs m'a dit ou restez connectés activez cloche notification nan nous même nous là n'a continué bousquer information pour n'importe ça qui t'a tombé et bien ou toujours joindre petite notification pour là pour capable toujours être informé de ça qui a passé dans pays d'Haïti si ou à l'étranger et si ou en Haïti pour connaître qui direction à prendre parce que pays d'Haïti vraiment piégé dans moment là. Mesdames mademoiselles et messieurs, eh bien information pas fini là, gens que nous t'ai annoncé eh bien hier soir, y a un gros incident arrivé dans zone Potay et pas caché d'où, bagay la triste, bagay la laide, lè ou gade comment bandi armé dans pays d'Haïti a coupé tête yon policier. Et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, qui s'est passé? Qui s'est t'es la cause? Eh bien, bandi arrivé, déposer la patte sous policier, ça, c'est question, en pile moun a posé tête yon un moment. Donc, malheureusement, pap kaban wè image là, mais si toutefois yon moun t'a remé wè, pas hésiter, just écris nous nan numéro qui sous vidéo a wap capable joindre et vidéo. Si toutefois ou partage un numéro dans vidéo ou ka just descend dans description ou joine yon numéro que ou capable écrit pour capable joine pour capable garder vidéo parce que bien que bay la anti chance stressant fragile donc si ou ta remé ouais pas gen problème. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, qui ça qui prend la cause que policier ça lui-même a le victime? En bas, mes bandits, nous qu'on est dans un moment là, après que la police t'est fin débarqué, Badelma prend contrôle, commissariat, portail Saint-Joseph là, eh bien, bandits armés dans zone ça, rete yo presque manger moun yo pousse con, tellement la police t'est mal passé avec yo. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, comme nous qu'on est la police t'est mené opération, reprend contrôle situation, eh bien, bandi yo même yo dit depuis yo joine yon tigren yo pap fè rabè pou li. Eh bien policier ça qui était nan commissariat qui tape et sécurisé comme nous connais nan commissariat toujours gen policier qui toujours été fait poste et temps en temps pou yo lever l'autre al dormi et puis toujours gen moun k'ap fè circulation yon façon pou yo capable gen contrôle zone. Eh bien maintenant mademoiselles et messieurs arrivé yon moment policier ça qui grand goût. Policier a grand goût comme nous qu'on est mesdames mademoiselles et messieurs grand goût lui-même c'est bagaille qui pas jouer ensemble avec moun depuis grand goût prend ou faut qu'on cherche un bagaille pour manger soldat ou soldat ou te yade pour grand goût faut chercher un bagaille pour mettre en devant tout puisque nous qu'on est si proverbe créole l'a dit sac vide pas campé. Et bien mesdames mademoiselles et messieurs ça qui passait policier a sorti là acheté une place spaghetti pour que le manger parce que bagaille a pas trop bon pour lui. Et bien ça qui passait, yo prend manger hein? Et pas seulement pour l'île t'a l'acheter pour l'autre tout. Yo prend manger hein? Et non seulement ça tout, yo prend policier ça, entrer dans base et couper tête li. Bagay la stressant, bagay la humiliant, bagay la triste. Pour Jean ouais monsieur ça yo a lever manchette, a frapper d'un coup, a couper une tête. Franchement, on va demander est-ce que c'est l'oreille qui calé bandi dans pays d'Haïti? Qui sac la cause, monsieur Ovin fragile comme ça? Monsieur Ovin sans pitié comme ça? Qui sac passé, mesdames, mademoiselles et messieurs? Qui les haïtiens t'es arrivé dans un niveau criminel, ça? Aïe, bagay yo pa piti, non bagay yo pa piti du tout, non, mesdames, mademoiselles et messieurs. En parlant de insécurité, moun ki mouri, bon, m'di non bagay, moi-même kal non, tellement. Comme nous connaît là, corona vraiment fait rage dans le pays d'Haïti, mais gè des moun ki mouri, c'est pas corona que tout yo. Et puis yo annoncé que m'gè mari yon bon zanmim ki mouri et puis m'rele zanmim nan m'souwete l condoléance après m'vin souwete l condoléance et puis il dit mais qu'il est enterré m'ap fèt c'était matin là m'di pas gè problème gal nan enterrement. Et puis mesdames mademoiselles et messieurs mais nèg la bel garçon tout bel petit garçon devant bon Dieu mais maladie ou là c'est puis mauvais ennemi moun te ka gen ça que fait m'toujours dit nous pas gè ennemi sous la terre moun ki ennemi nous rele maladie parce que c'est lui même qui ka touyo à n'importe là. Après que monsieur a te font paquet de temps à souffrir et puis ça qui vient passer mal lentement qu'on fout cou chic chic choc habillé dès qu'a montré nos petites photos ah il faut notre qui d'armes ou petites photos nous va checker bah montrer nos petites photos. Et puis mesdames mademoiselles et messieurs pendant que finalement chic chic choc qu'on est lentement gain brasse gain monde qui monte gain brasse bel lentement
Et puis, pendant que, on t'aime fin chanter, mon a crié, tombé crise, parce que bagay la on dit, genre, stressant, bah, elle a fait triste pour les gens, mon a mouria, on moun qui était très jeune, donc, franchement, pas de penser, c'est qu'on s'en t'a pralé. Et puis, ça passait, et, l'aime arrivé dans le cimetière, je pral enterrer mon nan, et puis, moi, demoiselle, la font démonstration, rapide, passer sous ses quais, là, et puis, moi, le péton, là, il commence à griller, je me dis, où ça passait, là? Bon, il campait le fait discours toute bagarre net et puis l'est arrivé là pour toute bagarre ça passe. M'a posé tête moi question qui ça cap passer le comme ça. Mais on connaît des fois là mon pral entrer dans cimetière vrai et laisse ça gon rail qui pour sent tout à kembe bagarre là redil tout non dit non cher ou pas ca rentrer battre avec bagarre sale trop douce. Ah j'ai la moi là frère c'est ça bien-aimé. Pas bagarre qui facile là. Pour supporter. Qu'on y a là, ça qui passe, et puis rapidement, moi, elle traverse ce qu'elle a, et elle met ton bel petit robe sous lit, bah, très coquette, très sexy. Et puis, moi, elle rapide monte rad la sous lit. Moun yo fait, oh, tout garçon qui était là, ou qu'on est, c'est dans un moment. Bah, elle a honte, genre, tout le monde triste, tout monsieur viré tête, yo, et puis, moi, c'est rapide descendre qui l'autre là, le pisse sous ce qu'elle a. Qu'on y a là, après ça, en pile, moun a posé les questions. Pour qui sort et fait ça? Lizzy! C'est quand t'es fait mal à me crier, oui, c'est parce que moi, m'perdis bout de banane, ça, bagaille, qui t'es qu'on fait m'douce, là, m'perdis, juste, pour m'pas regrette net, m'juste, crier, côté qui fait mal là, parce que là, puis fait mal, parce que tout l'autre côté, yo. Et puis, mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a continué informer, puisque nous connaissons Foucault lui-même, avec lui, c'est toute nouvelle, sans stress. Et bien, matin, là, bien bonnet, yon patrouille policier des CPR, t'a passé sous route d'Elma, a fait patrouille monter des descendre pour connaître comment situation est-ce que moun capable si qu'il est dans zone ça sans qu'elle saute comme nous connaît depuis plusieurs jours zone ça vraiment impraticable. Et bien mesdames mademoiselles et messieurs, pendant policier a t'a passé sous machine dans zone d'Elma 6, et bien bandi azam yo pas arrivé identifier ou vè cartouche sous machine. Là on regarde machine en gros c'est trou qui gen nan porte là ou c'est pas ti bal piti qui traversé. Mais grâce soit rendu à Dieu, policier ça t'est arrivé sorti sain et sauf sans que yo pas blessé, nous dit mon Dieu merci. Donc si policier a passé pour c'est con ça bagaille là, et donc on pas besoin d'ou pour même on ces petits paysans qu'a traversé et puis ouais coup de balle pété sous à n'importe qui moment. Donc encore une autre fois m'a dit prends précaution parce que dans moment là pays d'Haïti vraiment fragile. Information pas fini là mesdames mademoiselles et messieurs, eh bien l'amour parlementaire américain gay pour haïtien c'est parti bagaille qui piti. Nous songeons même parlementaire ça qui te met ton ordre dehors, il te dit d'accord pour un départ donné. Seul monde qui ca résout crise et sécurité dans pays d'Haïti, ce gouvernement de transition. Eh bien, monsieur, ça continue à penser pour nous, mesdames, mademoiselles et messieurs. Nous, on dit musique ça. Quel ami fidèle et tendre. Hey! Nous, on zami qui a pensé pour nous. Nous, on équipe monde qui a l'amour incommensurable pour nous. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, en pile, on a posé tête aux questions. Ça, passé pour qui ça messier ça yo a ting ting Biden comme ça qui ça que la cause parlementaire yo remé Haïti comme ça. Eh bien monsieur yo vraiment a bay Biden chalet pour le dégager le presser presser pour livrer vaccin dans pays d'Haïti comme nous connaît dans moment là coronavirus là vraiment a fait rage. Eh bien parlementaire yo dans une lettre qui portait date 16 juin 2021 là qui signé par Jeffrey qui s'est coordonné mandé pour Maison Blanche pour faciliter don vaccin dans pays d'Haïti. Bien que dans moment là pour bien dire dans 2 semaines ça yo, eh bien kayo vraiment a doublé dans pays d'Haïti. Imagine par jour yo a recensé 153 moun qui testaient positif. Donc rapidement divers l'hôpital t'a pral commencer sorti note pour dire yo pas capable encore yo pas gain place pour recevoir moun qui testaient positif dans dossier corona moun k'ap vinn prendre traitement. Et bien mesdames mademoiselles et messieurs, dans lettre ça parlementaire souligné malgré forte augmentation ka corona, et bien gouvernement haïtien li même pas en mezi pour le gérer, mais yo même yo là yo a plaidé yo a parlé pour nous pour que rapidement pour gouvernement Biden dégager le pressé pressé pour que livrer nous ti vaccin avant ka dégénérer. Yo mande États-Unis pour finir assistance li immédiat. Donc à voisin proche yo qui c'est haïtien. Ça nous c'est voisin proche États-Unis d'Amérique. Mais fout, mais ni fout.
voisin nous a pensé pour nous. Voisinage, c'est drap blanc. Si voisinage, c'est drap blanc. Et puis, mesdames, mademoiselles et messieurs, et parlementaires américains, yo vle aider nous. Yo ap couvri nous. Avant qu'à dégénérer. Parce que pas vle quitter nous mourir. Yo remet nous en pile. Et puis, mesdames, mademoiselles et messieurs, membres congrès, yo, insister pour que Haïti lui-même, lui bénéficie vaccin ça, en urgence. Yo mandé pour administration Biden, à expert médical, yo, pour yo établir une relation avec ministère santé haïtien, avec organisation non gouvernementale, yo, sans yo pas oublier collège, avec université, yo, pour yo capable distribuer médicaments. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, un jour qui te saute passé, là, nous rappeler, nous, que, AstraZeneca, t'es mis ton nom d'ailleurs, côté au déclaré, eh bien, il t'a fait vaccin, mais, malheureusement, c'est pas pour guérir de ces corona, parce que, bah, elle a dépassé. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, nous connaissons, immédiatement, une épidémie frappait le monde qui valait tant, yo qu'on fait avant yo arrivé sorti yon vaccin. Donc rapidement nous wè corona seulement débarqué et puis sortande ya yo vin a vaccin divers pays nan gen Poutine, la Chine, Allemagne et comment pays ça rel encore Cuba, États-Unis. Mais comme nous connaît États-Unis lui-même c'est première puissance mondiale, si que le pas approuvé médicament ou pou ko ka passer avec ou pa ka vendre ou pa ka à l'aise avec koto vle nan monde là. Et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, jusqu'à présent dossier vaccin pour corona, malgré en pile moun déjà prend vaccin pour bien dire dans pays États-Unis ak divers l'autre pays encore, et bien malgré tout yo poko ka chita pour yo di ça son vaccin définitif n'ap kembe pour dossier coronavirus là. Et bien comme nous connaît hier bricouri nouvelle gaye pas de gaz dans pays d'Haïti, donc en pile moun te commence à casser tête et wap gade nan camionnette moun chita yo ap vann yon gen galon gaz à $150 et pou tande pa gen gaz. Ki sak passe? Bon pa genyen et pou même ou jwenn chans ou ap vann li. Donc ouais l'état li même li manke fè travay li. Et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, selon BMPAD, yo déclaré près de 250 000 barils carburant déjà disponible sous marché à la. Et bien directeur BMPAD là confirmer que pas de aucun raté de gaz. Et bien comme nous connaît BMPAD lui-même qui c'est direction générale du bureau de monétisation de programme d'aide au développement. Et directeur c'est Fizeme Ignace Saint-Fleur, dans une interview que le bail il déclarait déjà gain un total de 250 000 barils de carburant qui déjà disponible sous marché et yo livré déjà. Selon directeur a toujours li déclarait que gain un total de 200 242 barils de gasoline et 46 269 barils kérosène qui fait livrer dans terminaux Torland et Vareux. Donc pas de aucun raté de gaz sous marché à just monsieur choisi dit raté gaz et puis vous pli passer mouté. Et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, bel et bien gaz là nous pas besoin fait qu'est sauter. Jean nous t'ai annoncé et bien président Jovenel Moïse fait voile pour pays Turquie. Et bien maintenant là président accompagné ensemble avec épouse Li Martine Moïse ak yon importante délégation yo laissé pays a pour que yo rende yo nan pays Turquie nan Moyen-Orient ki nan Europe l'Ouest l'Asie mineure. Nan kat voyage officiel sa chef l'état ak délégation doit prendre nan yon forum diplomatie d'Antalya. Donc activité ça qui toujours fait chaque année et année ça et activité ça ap chita sous sécurité énergie ak investissement. Eh bien année dernière activité ça pas de ka fête à cause que Jean Corona lui-même li t'a firage. Mais année ça président Jovenel Moïse quitte pays a aller al participer et l'a gen pour le retourner samedi cap 19 juin 2021 là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, avant que ne fait voile, eh bien information dans dernier là et Genève vous PNH en pile cartouche a chanté pas caché d'où d'après information qui a
peine rive joine nous là, katouche fait mika là, si ou pa gen urgence, évitez passer zone Badelma, Saint-Martin, Belle Boulevard, sous la Saline, en pile prudence pour quantité katouche ak bal kap chante nan moment. Franchement, en pile mon a posé tête yo question, est-ce que c'est Haïti qui gen tout bagay sa ou ladan? Eh bien nan moment là, président Genève, famille et allié a vraiment paniqué, yon situation nous même n'a suivre. Donc m'pa caché du tout, bel et poté bourré sous Badelma, la police li même a frappé. Mes amis, m'a dit nous éviter descendre en bas puisque centre-ville là vraiment piégé dans moment. Donc priez veillez. Mesdames, n'a fait place à Voix de l'Amérique pour cette information. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Belizer depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique en Washington. Nous comptons l'autre fois encore avec nous pour nous présenter un programme en langue créole haïtienne. Merci d'être l'autre fois encore ou branché ou au rendez-vous. Et nous avons commencé avec d'abord le président Jovenel Moïse et Jodia avec toute première dame, Martine Moïse. Dans tête une délégation, nous avons pris la direction et pays la Turquie. Pendant ce temps, gagné et Premier ministre là et Dr Claude Joseph qui lui-même trouvé dans les Nations Unies pour et présentation pour une réunion qu'a faite au niveau Conseil Sécurité des Nations Unies. Il y a plusieurs orateurs qui sont dans le pays d'Haïti, notamment le Dr Claude Joseph qui est ministre des Affaires étrangères et qui est Premier ministre. Il y a Madame Hélène Lalime qui est représentant secrétaire d'État et secrétaire général des Nations Unies et qui est en tête tout BINU qui est et mission intégrée Nations Unies. Et puis il y a Maître Chantal Udiko Evald qui lui-même c'est un avocat et qui c'est membre barreau Port-au-Prince et qui lui-même était membre à 1986-1987 là. Donc il y a bien parole devant Conseil Sécurité Nations Unies. N'a pas rappelé que membre Conseil Sécurité Nations Unies c'est États-Unis, Mexique, Saint-Vincent-Grenadines, Norvège, Inde, Irlande et Angleterre, Vietnam, la France et la Russie, la Chine et puis Estonie lui-même qui président Conseil Sécurité. Donc nous pourrons gagner tout détail ça qui passait et demain n'a vini avec ça pour. Pendant ce temps, Washington n'envoie Edward Atney, yon officiel dans le département d'État, quoi toujours une possibilité pour élection déroulée dans le pays, malgré toutes conditions que nous capables, notamment insécurité. Diplomate Atney te répond question Jean-Robert Philippe. So, we were not there to try to impose a solution on Haiti. We were there to try to convene various stakeholders. And as I mentioned, there was a great deal of concern about security, a lot of concern about what happens if we don't have elections in time. Assistant permanent et provisoire États-Unis dans le ambassadeur Edward Atney fait qu'on ait une délégation organisation régionale là, pas aller en Haïti pour imposer une solution dans la crise là, mais plutôt pour te mettre les parties concernées ensemble pour jouer une solution dans la crise là pour élection capable de dérouler dans le pays. Dans une interview exclusive à Service Creole là, M. Atney déclaré participant eux exprimé qu'elle sautait sur question sécurité, ça qu'a passé si l'élection pas déroulée à l'est. C'est raison qui fait délégation et fait gros pression pour élection déroulée en 2021 pour une transition entre un président élu avec un autre. I would say two things really. One is security. I knew it was an issue. Concernant l'observation qui a été faite pendant la visite là, diplomate américain a déclaré, moins capable de dire deux bagailles. Moins quoi que question sécurité, c'était un problème qui était mis devant nous. Moins connaît que c'est vraiment, c'est un problème. Mais toute partie qui concernait, leader politique, qui aussi civil là, c'était d'affaires, tout de travail ensemble. Deuxièmement, moi, j'étais surpris avec qui niveau méfiance qu'il y a entre leaders politiques qui ont mis avec difficulté pour réunir ensemble, pour venir à accord. C'est une raison nous sommes sous place pour nous être capables de mettre acteurs ensemble pour venir à accord politique. Diplomate l'a dit, il y a encouragé les partis concernés pour travailler ensemble jusqu'à ce que nous un accord qui correspond avec point 4 de demande qui a été devant les délégués, qui est un compromis. Mais d'après lui, l'élection est toujours possible malgré les difficultés. We think there still is time, but there's not a lot of time. I'm not going to give a specific deadline. I know that Haiti has been able to organize elections in the past. Nous croyons toujours gagner le temps, même s'il n'est pas en pile. Nous n'avons pas fixé un délai spécifique à cause d'Haïti habitué à organiser l'élection.
président avec parti politique de Chita ensemble pour joindre un accord vite et pressé pour l'élection générale de dérouler. Pour ça qui a un rapport avec ça qui a passé si l'élection pas déroulé à l'air, moins pas voulu expliquer, mais c'est une question que les États-Unis avec le a gagné sous possibilité ça. Faut pas oublier Haïti qui a un pile défi avec problème tant que pandémie COVID-19 là, problème économique, situation politique là, c'est ce qui fait un pile pression pour gagner un gouvernement transition démocratique au lieu de un gouvernement transition qui pas élu. Puis faut même dans l'opposition dit d'accord pour aller dans l'élection, mais pas avec président Jovenel Moïse, non plus tout avec actuel conseil électoral provisoire. Président Moïse continue de lancer appel à l'opposition pour chita parler avec lui pour former un gouvernement d'union nationale. Officiel département d'État américain, ça, Edward Atney, te répond à la question Jean-Robert Philippe. Donc, demain encore, Jean-Robert Philippe a bien pour retourner sous interview. Exclusive ça. Pendant ce temps, toujours gain problème insécurité dans le pays, gang armé toujours à contrôler yon paquet et région, surtout dans la capitale. C'est comme ça, coordinateur collectif avocat pour défense droit monde, M. Arnel Rémy, fait qu'on ait plusieurs organisations dans la vie nationale là, qui prévoient déposer plainte jeudi à contre Conseil supérieur police nationale là, par rapport à phénomène insécurité. Insécurité, hein? Son crise qu'il a depuis tantôt 5-10 ans. Depuis 5-10 ans, parce que depuis le vingt prolifération gang, depuis le insécurité, depuis le gang a fait ça ouvrir, depuis le gang a exprimé et pouvoir papa agir, papa arrêter moun, ou pas comprendre prolifération vin énorme. Maintenant, nous venons dans une situation côté que Jovenel Moïse ainsi que son gouvernement, ils n'ont pas le contrôle de ce qui se passe et de ce qui se fait en Haïti. Vous comprenez que ça crive les mentissants, c'est grave. Ça crive les mentissants, c'est une catastrophe humanitaire. Ça qui arrive dans le pays, là, c'est des situations qui sont supposées conscientiser chaque Haïtien. Parce que je regarde, je comprends côté que on dit des citoyens, des jeunes, qui prennent des armes, qui utilisent des armes, et qui font exhibition de grosses armes. Bon, vous m'avez été étonné. Moi, on est avec un homme qui dit que en vent, bon, c'est lui. Les moyens en vont bosser dans le. C'est pour montrer que la violence est ancrée dans le système haïtien. La violence est ancrée dans elle. Mais ça fait ça, ce qu'on est. C'est parce que l'État n'a pas pris responsabilité. Pour qui ça n'a pas pris responsabilité? Un bon exemple. Si dirigeant nous, alors ce n'est pas dirigeant qu'on a, si dirigeant avant nous, te mette des dispositions, te mette des mesures en place pour permettre que les jeunes soient au travail. Rendez-moi un fou sage. On est goun la goun AK-47, goun M60 nan men, kap rapote l 2000, 3000 dollars américains par mois. Li pa pral fè ke nèpòt ti job et charpente ferronier pou. Non. Pou zam nan rapote plus kòb. Lò tan don bandi descend dès m'ap pale de ton k ap pale. Yo dou chaque fè ou descend yo bon kòb. Mais goun a fò l'état ça pou ka kombat le banditisme, fò ta met ton politique en place pou que jeune sa yo dépose zam volontairement. Parce que si c'est pas ça, on a vu nous vont côté tabou professeur Michel Scorremendil pour circuler dans commune son chef gang pour mandat d'autorisation. Alors, c'est vie tout peuple haïtien qui est en jeu, pas bon citoyen haïtien qui est épargné kounya là. Elle dit nous tous nous avons une sécurité totale, l'état pas jamais rien. Commissaire gouvernement pas jamais agi, personne pas jamais arrêté, bandi pas jamais arrêté. Donc on vit nous que bon légitimité et légitimisation de violence. Maître Arnel Rémy, c'est coordinateur collectif avocat pour défense droit monde et qui fait connaître que grand pile et organisation dans société dans vie nationale là qui prévoit jodi a porter plainte contre conseil supérieur police nationale là par rapport à phénomène insécurité. N'a quitté insécurité nous parlons dans la justice, ministre justice et sécurité publique là installé ailleurs. Dans le local ministère, comité pilotage, plan et stratégique, lutte contre détention préventive prolongée. Comité ça gagne pour mission, travail pour diminuer quantité de monde qui vive, qui coupe plutôt dans la prison. Il y a un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince.
Détention préventive prolongée a bay gros problème nan mayor chaîne pénale là depuis sous la police passé dans prison sans compter paquet à cabinet instruction d'après ministre justice et sécurité publique là. Phénomène ça c'est une violation grave droit fondamental justiciable d'après sa ministre reconnaître pendant le fait qu'on est c'est dans objectif pour corriger situation comité ça prend naissance les membres comité a pour appliquer plan stratégique action prioritaire 2021-2022 qui baille quelques éléments solution dans ça qui gain pour avec réduction quantité monde qui dans prison qui pas jamais passé devant juge naturel yo. Ce comité de pilotage et de suivi sera présidé par le directeur des affaires judiciaires Maître Lévelle Milor. Ce dernier sera accompagné dans cette noble mission par un membre de mon cabinet particulier chargé des dossiers pénaux, Maître Wally Mérisier, le directeur des affaires juridiques, Maître Jean-Falière Bazelet, le représentant du service des greffes et des parquets, Maître Jean-Robert Dorsey, la représentante du service de l'inspection judiciaire, Maître Marie-Marc Gracieux, un représentant du Conseil national d'assistance légale, CENAL, et du service de la détention, M. Genel Pierre. Ministre dit, l'obtention de résultats concrets bon côté comité pilotage ça, dans le cadre de la bataille contre détention préventive prolongée. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je veux et j'exige, madame, messieurs, que le taux de la population carcérale en situation de détention préventive prolongée soit considérablement réduit, conformément à la politique pénale du gouvernement et à la commande du président de la République, son excellent Jovenel Moïse. Je vous préviens, votre performance sera évaluée sur votre capacité à rencontrer les acteurs pénaux, à prendre des initiatives et à faire tous les suivis pour mettre en œuvre le plan. C'est directeur affaires juridiques, ministère justice et sécurité publique, M. Lévelle Milor, qui président comité ça, n'en propose circonstance li, li félicite ministre justice là, peut-être li choisir pour le faire partie de commission, li bay assurance, comité après le travail, dans l'idée pour décongestionner prison yo, Jean Mission yo mandé ça. Je dois vous dire, mesdames, messieurs, membres du comité, l'heure est au pragmatisme et nous comptons beaucoup sur vos expériences et votre capacité de chacun de vous membres qui composent ce dit comité. C'est pour vous dire, monsieur le ministre, que l'acte posé par vous aujourd'hui ce matin ne sera pas vain. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Donc nous avons dossier justice, dossier insécurité, c'est des dossiers qui sont très importants et qui sont très actuels dans le pays d'Haïti. Mais l'autre dossier encore qui est très important, c'est la question pandémie coronavirus là, qui continue à faire des morts, qui continue à augmenter plus dans le pays. C'est comme ça, l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, bail une conférence pour la presse virtuelle hier mercredi à côté. Li fait qu'on est après en question service que la Voix de l'Amérique là envoie Lionel Demarat côté docteur Harbas Barbosa assistant directeur OPS précisait que gouvernement haïtien accepté recevoir vaccin AstraZeneca. Cependant en Haïti gagne réticence et gagne moun qui dit pas gagne assez débat sur question. Directeur ministère santé publique et population docteur Loré Adrien qui était sous Skype avec nous hier ba nous position gouvernement par rapport à question ça. En réalité, le ministère, dès le début, avant même que nous soyons rentrés dans une négociation profonde sur la question vaccin, le ministère a créé un groupe technique de réflexion sur la question vaccin. Non seulement pour faire des études sur la rentrée vaccin, qui perception nous par rapport à vaccin, mais tout pour aider le ministère à choisir par rapport à sa population en pensée qui meilleur vaccin. En tout cas, l'homme dit meilleur vaccin, pas meilleur en termes de qualité, un vaccin par rapport à l'autre, mais meilleur en termes d'acceptabilité par la population. Gain vaccin, c'est un bagage, mais servir avec vaccin, c'est l'autre. Et c'est là tout débat contradictoire qui a fait autour du vaccin AstraZeneca, pour ne pas répéter noni. En fait, gouvernement pas de jambes non logique, pas vacciné. Et ça, clair pour tout le monde, dit, gouvernement a arrêté, signé en Conseil des ministres, côté que il était d'accord pour vacciner la population. Bémol, si vous voulez que nous démettez, c'était que, comme à l'époque, AstraZeneca a fait parler de lui en pile par rapport à certaines complications qui ont découvert la Kali, et qui a aidé les gens qui ont pris le vaccin AstraZeneca, et compte tenu justement
du fait que la population haïtienne est déjà réticente contre le vaccin, nous avons dit, bon, si nous allons rentrer un vaccin qui déjà a une mauvaise, entre guillemets, réputation, et vu que nous sommes déjà réticents, la campagne est un échec. Et moi, j'ai mon cap tablé sur ça pour dire que c'est parce que nous t'ai dit non contre vaccin AstraZeneca. M'a dit Jacques, même si nous t'ai dit oui à l'époque. Délai qui était prévoir pour yo t'ai vinn voyer premier cargaison vaccin pour nous. Moi bon garanti que le pas t'a respecté parce que vaccin qui t'a vini pour nous côté yo a sorti c'est en Inde et situation épidémiologique en Inde là vinn fait que même l'Inde pas t'a produit assez de vaccins pour répondre à demande ça. Et évolution maladie en Jean Lté l'année dernière, li pat propice pour te gon débat intense qui a fait sur vaccination parce que même moun yo pat kwè nan maladie hein. Ça qui kwè la donne, pat kwè qu'elle était aussi grave pour nous te besoin aller dans vaccination, mais li vinn prouver nous encore ça nous te toujours penser que en épidémiologie et particulièrement en santé publique, comportement ou capable changer selon évolution maladie. C'est pas que autorité ou t'a fait comme on dit ça négligence ou bien procrastination. Non. Si demain si Dieu veut, bon situation qui changer, même gens liés dans tout pays aux États-Unis, en Europe et quand qu'on l'a en Haïti, position autorité va changer. Les États-Unis à un certain moment c'était tout le monde masque dans figure. Couli à la yodo l'ont vacciné ou cap sorti sans masque, mais ça pas veut dire que masque là il pas important. Là ou te dit mettez masque là. Donc c'est pas nous pas évoluer en linéarité comme si nous prévoit exactement qui ça nous va le faire. Il y a des stratégies qu'a mettre en place pour si telle situation vini mais qui j'en pour faire face à lui-même. Donc moun qui a réfléchi à reculon, li facile pour yo dit yo t'a fait, yo t'a doit faire. Mais c'est fait en temps réel là qui est important, c'est pas que moi était m'a critiquer après quelques mois qui ça me devait faire l'année dernière ou bien les 6 mois passés. Docteur Loré Adrien, c'est directeur ministère santé publique et population dans le pays d'Haïti. Il tout fait nous connaître que ce n'est pas seulement le vaccin AstraZeneca qui est entré en Haïti. Eh bien, il y a pour recevoir encore 3 autres vaccins qui sont ici aux États-Unis. Il y a une situation à suivre, mais pendant ce temps, mes amis, mettez COVID et corps, attention, pas capon, grand monde pas joué. On suit tout conseil, consigne que l'autorité sanitaire mettez devant nous parce que masque protège. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, peut mettre des pays Washington DC ou à suivre rendez-vous info, toujours actualité à concernant le pays d'Haïti. Plus passé, il y a une soixantaine partis politiques, parmi eux, partis politiques, ancien député Charles-Zer Chancy, assez, qui regroupait en bas, ombrelle, initiative, parti politique pour avancement et changement. IPAC, mandé président Jovenel Moïse pour continuer chita parler avec différents acteurs dans le pays dans le cadre mise en place un premier ministre définitif dans tête primature. Jean-Hervé Beauport, qui est conseiller stratégique IPAC, fait qu'on ait décision ça à permettre pays à faire face plus bien à coronavirus là et à saison cyclonique là. Régime démocratique yo li pas normal pour essayer forcer une catégorie monde pour venir dans dialogue. Parce que normalement, l'exécutif là, en général, c'est lui-même qui gagne une série de dispositions qu'il doit prendre pour que l'acteur politique qui est d'accord pour venir dans le dialogue pour venir. Mais si vous jouez un grand acteur, sous peut-être une centaine, dit que lui-même n'est pas intéressé à dialogue, bon, éventuellement, il y a un autre agenda. Vous voyez, chaque parti politique, pas toujours, il y a un même agenda. Il y a des gens qui plus qu'elle en transition, qu'elle soit en élection. Donc si vous avez dans toute ville, li poko jam gen en élection peut-être même l'on niveau kazek ou bien on sait de l'autre niveau li doit plus intéressé à une transition que l'aller l'on élection. Mais songez bien que en général l'en démocratie c'est peuple qui pour voter un monde qui pour boy un mandat. Donc si jounen jodi a la nous on a fait face à des difficultés énormes, particulièrement l'regarder climat sécurité pays a tap détérioré et jounen jodi a nous, dans une période cyclonique, depuis le 1er juin, chaque année, saison cyclonique a commencé pour jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, ceci dit, en dépit du fait que le ministère de l'Intérieur doit préparer un plan de contingence annuel qui pour permettre que si éventuellement on fait face à des cyclones, pour capable répondre et de manière prompte pour que la population n'ait pas trop victime, mais ça ne veut pas dire pour autant que. Et si un acteur qui dit qu'il n'est pas intéressé à venir dans le dialogue, ou pas qu'à forcer. Mais nous autres, en tant qu'IPAC, qui croyons en démocratie, nous exhorter, nous encourager la présidence pour que
li invite tout acteur qui intéressé yo. D'ailleurs, il y a des acteurs qui sont en opposition modérée, il y a tout qui sont en opposition extrémiste qui d'accord pour yo venir en dialogue parce que éventuellement yo connaît un dialogue a abouti à sorte de pacte de gouvernabilité côté que cap cohabitant dans gouvernement ensemble et par la suite l'offre monte gouvernement pour reviser CEP qui là pour mettre un CEP qui a mettre tout acteur en confiance et de là pour organiser des élections crédibles parce que ou besoin un gouvernement normal pour capable adresser problème yo par exemple coronavirus là pour faire face à elle pandémie a commencé retourner faire surface en Haïti donc pour faire face à elle il faut qu'on gouvernement et m'ka dit qu'il légitime qui pour un gouvernement provisoire. Dans micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint, c'était Jean-Hervé Beauport, qui est conseiller stratégique IPAC. Et l'autre point dans l'actualité, la protéine dans la politique et la entrée ici aux États-Unis, il y a un groupe haïtien qui pourrait le manifester demain vendredi à devant le local Nations Unies dans New York pour dénoncer support les États-Unis à Baye et président Jovenel Moïse malgré mandat expiré 7 février 2021 d'après groupe haïtien sa yo. Sabine Philippe c'est yon parmi membres organisateurs qui répondent question Jean-Robert Philippe. Point ça nous pour dénoncer ingérence là de façon plus claire parce que nous connaissons faux amis sa yo qui a prend décision pour pays. Deuxième bagay nous pour dénoncer c'est même si ou a mette référendum là de côté, nous pas quoi là-dedans, nous pas prendre un bluff. Donc nous pour dénoncer ça à tout. Nous besoin annulation totale et capitale de référendum ça parce que article 284-3 défend tout référendum et selon constitution. Donc nous pas prendre un bluff ça même si on mettait dans veilleuse à n'importe quel moment il nous apparaît encore sous nous. Nous pas dénoncer tout que pas qu'à gagner élection magouille dans insécurité élection faux mamite élection qui avec un gouvernement qui déjà de facto mandat fini depuis 7 février 2021. Donc ce qui fait que élection ça pas pas camper sur rien. Le fini ou pas des monde crédible qui pour faire élection yo, le fini nous besoin nous-mêmes en transition de rupture côté monde qui pas créer problème yo, retirer corps yo. OK? Et c'est-à-dire que ça te crée problème yo, c'est pour retirer quoi, ça pas créer problème yo, c'est yo pour là-dedans. Donc nous même dans diaspora avec haïtien qui est dans pays, on peut décider de qui est qui pour représenter yo au timon pays. Sabine Philippe, c'est membre organisateur et équipe haïtien ça qui pourra manifester demain devant Nations Unies et n'a pas tout que actualité dans pays d'Haïti, actualité politique là, il y a président Jovenel Moïse qui baille 45 jours pour comité et consultatif indépendant CCIA pour élaboration projet nouvelle constitution pour soumettre les documents final là. Donc 45 jours c'est décret ça que président Jovenel Moïse fait sortir en vent les mettre tête li pour pays la Turquie ou sous la voie de l'Amérique. N'a pas mettre actualité ici aux États-Unis, gagne un coup suprême les États-Unis donc c'est plus haut instant juridique dans pays a qui sauver Obamacare là prend en décision en faveur Obamacare. Quoi nous pral nous dans Washington qui accueilli président et Joe Biden qui entré après le saut fait un gros viron, premier gros viron international li côté l'est allé en Angleterre. Il y a allé en Belgique et puis dernier étape c'était dans ville Genève dans pays la Suisse pour gros sommet américano-russe là Jean-Robert Philippe. Mais effectivement et actualité à Konya c'est observateur politique y a tendre tomber sommet ça gain sur d'abord sur relation entre la Russie avec les États-Unis et puis problème qui gain entre les États-Unis avec la Russie sur question attaque cybernétique avec question qui gain rapport avec Gazmin et probablement avant même on commencer parler de possibilité pour ta gain l'autre sommet entre des leaders sur l'autre question qui gain question intérêt général pour président Biden ensemble avec président Poutine. Président Joe Biden retourne à Washington après une semaine de voyage sur le continent européen, côté d'y participer dans le sommet G7 là, sommet l'OTAN, rencontre avec les États-Unis et puis un sommet avec le président russe Vladimir Poutine. Rencontre des Américains, c'était pour joindre support six pays qui pire sur la planète là et puis bail allier lieu assurance États-Unis camper bon côté et puis pour faire voyage faire un seul contre la Chine avec la Russie.
président finit tourner avec sommet entre lui-même avec président Vladimir Poutine dans ville Genève en Suisse. De leaders reconnaître rencontre là était bien positif et constructif. De parti au météo d'accord pour commencer à discuter sur stabilité avec sécurité cybernétique et stratégique. The fact that we've breaking from a pattern of mutual penalization and the narrowing Center for Strategic and International Studies parlait pour dire le fait que nous briser une tendance mutuelle côté une à pénaliser l'autre là c'est une étape importante dans relation diplomatique qui bat résultat mais pour ça qui a un rapport avec résultat concret avec changement dans comportement la Russie nous capable gagner une réponse dans deux prochains mois. Deux leaders ont toujours gagné différence sous dossier Ukraine côté un conflit à dérouler depuis plusieurs années entre l'armée pays avec ses partisans qui supportent la Russie. President Biden I communicated the United States unwavering commitment to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. President Biden déclaré moins 10 leaders russes là engagement sans réserve États-Unis prend sous droit grand monde à intégrité territoriale l'Ukraine cap chercher pour venir membre organisation traité transatlantique nord à l'OTAN que Moscou pas d'accord. President Biden souligne support pour droits humains sans oublier son leader opposition russe là Alexei Navalny. Président Poutine mettait à côté parole cap parler comme quoi l'absé boulon adversaire politique lio pendant li longe droit sous la trouble qui était gain aux États-Unis pendant manifestation Black Lives Matter. Monsieur Poutine pas fléchi sous dossier Navalny. Cyberpространство России. He arrived deliberately acting to be detained. He did what he wanted. Dit, Navalny était retourné en Russie à volonté pour le faire arrêter. Eh bien, li joine sa tap chercher. President Biden dit qu'il était fait leader russe a remarqué le clair que il n'est pas même mon avec prédécesseur là Donald Trump qui était en position en faveur président Poutine en 2018 au lieu de agents renseignement américains qui était accusé Moscou comme quoi il était influencé l'élection 2016 yo. Président Trump a déclaré dans l'époque là président Poutine était parlé haut et fort pour rejeter accusation service renseignement américain. Président dit, il déclarait par président Poutine, États-Unis pas tolérer aucune tentative pour violer droit démocratique pays ou bien déstabiliser élection démocratique. N'a pas correspond à lui si ça arrivait. Président dit, il est capable bailler la Russie une réponse kif kif pour n'importe attaque cybernétique qu'il a lancé contre États-Unis. Biden will be careful to be proportionate in any cyber response he engages in, understanding si that Newlin, parle pour dire, président Biden doit prendre précaution pour n'importe réponse qu'il a choisi bail, ta doit proportionnel étant donné que la Russie pas une puissance cybernétique, mais un pays qui est capable et qui a habilité pour causer gros dégâts sous capacité cybernétique États-Unis. Observateur attend retombe sommet surtout dans niveau relation entre deux pays qui étaient dans un niveau très bas. Deux leaders d'accord pour diplomate chaque pays était rappelé retourner dans poste respectif. Monsieur Biden et Poutine ont rencontré la presse séparément après aussi une déclaration finale. C'était Rendez-vous Info. Mesdames et messieurs, m'a tout merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi pour aller m'a quitté non bra papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Non pas monsieur Foucault. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Ciao ciao. Me ramasser paquet moi cause habitant pas miser la ville. On pour aller mais m'a quitté non bra papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.